Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo tag et c'est le tag les années 90. Donc il y a 8 questions. J'ai trouvé ce tag en flânant sur YouTube et je me suis dit bah je vais le faire. J'ai pas trouvé les questions et qu'il a fallu que je les note au fur et à mesure d'une vidéo. Mais moi je vous les listerai juste en dessous si jamais vous voulez le faire. Donc c'est parti. Première question, quel est ton Disney préféré? Alors, normalement, il y a un Disney qui est sorti dans les années 90. J'ai pas été vérifiée si c'était sorti dans les années 90, j'ai comme un doute. Mais moi, mon Disney préféré, c'est La Petite Sirène ou Le Livre de la Jungle. Mais avec les princesses, c'est plus La Petite Sirène, mais ça, j'en ai déjà parlé. Question 2. Tes artistes préférés? Alors, on va parler en musique. Mes artistes préférés lors des années 90, c'était Ace of Base et Anne, qui était une des chanteuses de Disney. Après, à la fin des années 90, il y a eu incontestablement tout ce qui était les Spice Girls, les Worlds Apart, Alliage, enfin bref, tous les boys bands, etc. C'était vraiment dans mes artistes préférés. Et aussi surtout Céline Dion. J'ai beaucoup beaucoup aimé Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Trois émissions TV préférées. Alors là, j'en ai cité pas mal parce que c'était impossible de choisir une que je préférais. Dans son ensemble, j'aimais énormément le Club Dorothée. J'étais élevée avec le Club Dorothée. Ensuite, Beverly Hills. Voilà, le dimanche avec mes parents, on regardait Beverly Hills, c'était top. On regardait aussi Stargate SG-1. Donc ça, il me semble que c'était voilà, fin des années 90, quelque chose comme ça. Et j'étais vraiment fan de ces deux séries. Et sinon, autre que les séries, vraiment une émission télé qu'on regardait tous les soirs avec mes parents, et on adorait trop ça, c'était Facile à chanter. Voilà, c'était sur France 2 ou France 3, je ne sais plus. Et voilà, c'était vraiment une émission télé que je ne pouvais pas rater, un jeu que j'adorais. Je suis fan de musique, donc voilà. Question 4. Dessin animé préféré. Alors, j'en avais pas vraiment de préféré, j'en ai noté 3 qui me sont revenus tout de suite à l'esprit. C'est les Razmoquettes, Mona le Vampire et Tom Sawyer. Mais il y en a tellement d'autres que c'est impossible de vous les citer comme ça. Et en choisir un, je crois que pour certaines histoires que j'ai pu... Il y avait Sailor Moon aussi que j'aimais beaucoup. Mais je crois que ce qui reste gravé dans... Mais c'était peut-être dans les années 2000, Mona le Vampire. Je sais plus très bien si c'était l'un ou l'autre. Donc, je ne sais pas. J'en avais pas forcément de préféré. Question 5. Bonbons préférés. Les soucoupes. Vous savez, il y a des trucs en sorte de... Je sais pas... truc avec la poudre acide dedans, ça c'était mon bonbon préféré et j'adorais. On s'en prenait un par soir avec mon papa et on le mangeait à chaque fois d'une façon différente et c'était juste trop bon, c'était trop bien, j'adore. Question 6, jeu préféré. Alors moi j'ai mis deux types de jeux différents. J'ai très très peu joué à des jeux vidéo donc je ne vous en citerai pas. Par contre, jeux de société et les jeux qu'on pouvait faire dans la cour. Donc, pour les jeux de société, j'ai noté le Trivial Pursuit et le téléphone secret. Mathilde, ce n'est pas le téléphone rose, c'est le téléphone secret. Voilà. Et pour les jeux dans la cour, les POG et le jeu de l'élastique. Voilà. Celui avec l'élastique, ça c'était vraiment un jeu que j'adorais. Ouais. 7 livres préférés. Alors, je me souviens plus du tout du nom. C'est un bouquin que j'ai à Trouville, donc... C'était un bouquin, en fait, qui était fait... Enfin, il y avait deux bouquins sur la même histoire. L'une vue de la nana et l'autre vue du garçon. Mais c'était la même histoire d'amour vue des deux côtés. Et c'était l'histoire avec un pianiste, je crois. Je me souviens plus très bien, mais c'est vraiment un bouquin que j'ai préféré dans ma jeunesse, dans les années 90. C'était un bouquin super simple à lire. Et sinon, c'était toute la série de danse avec Nina, etc. Voilà, c'est des bouquins que j'ai adoré quand j'étais toute jeune. Et donc, dernière question, marque préférée. Alors, marque préférée, on va parler en vêtements. En vêtements, Chatawak. Parce que c'est là-bas qu'on commençait à m'habiller mes parents quand la marque
est apparu, je crois. Je ne sais plus. Mais bon, il y avait un château pas très loin et on y allait. Et j'aimais beaucoup les vêtements qu'il y avait là-bas. Après, il y a DDP, mais j'ai peur que ça soit plus les années 2000. Et sinon, Arena et Speedo, parce que j'étais fan de natation synchronisée et de natation tout court. Donc, c'est vraiment deux marques que j'affectionne particulièrement. Ben voilà, le tag est terminé et je vais prendre le temps là de chercher à savoir qui je vais taguer. Donc je vais taguer Mel de Mel Mode Makeup. Je tag Anna de Bella Beauté. Je tag Marilyn, ma vie de fille, parce que je crois que t'es un tout petit peu plus âgée que moi, donc je pense que ça serait des questions, des réponses tout à fait différentes et ça m'intéresserait de les voir. Je tag Marie LNLC, je tag Marie Sweet Katniss. Qui c'est que je vais taguer? Si jamais t'as envie de faire des vidéos, etc., je tag Virginie, donc Lollipops. Je tag qui d'autre? Ah, si t'as envie de le faire, Aline, donc La Faiblesse. Déborah, Miss D. Marion! Wouhou, Marion! Oui, toi, là. Oui. Ah, donc Marion de la chaîne Pinky Buttercup. Bah, je vais m'arrêter là, mais voilà. Si vous avez envie de le faire, je vous ai pas tagué, c'est que bah, j'ai ma tête qui est trop petite et que je ne l'ai pas préparée, cette partie-là. Donc je m'en excuse. Taguez-vous vous-même. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao!